without you. Et yo tout le monde, on se retrouve tous pour une nouvelle vidéo sur Jurassic World Evolution, ou Evolution pour les Français. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 je crois de l'aventure justement. Donc on est de retour sur la première île parce que je vous l'avais dit, aujourd'hui on va faire les fameux Vélociraptors. Donc j'ai pas mal avancé, vous voyez déjà j'ai 3 nouveaux génomes. J'ai pas mal avancé, donc aujourd'hui on va faire un petit Vélociraptor. Voilà, on va en faire deux parce que je crois qu'ils vivent en groupe. Donc je suis sur la première île parce que comme vous le voyez en bas, j'ai beaucoup plus de fond. Donc qui dit beaucoup plus de fond, qui dit bah beaucoup plus de moyens. Sur cette île, j'ai pas fait grand chose à moins que j'ai fait une autre partie du parc. Merde, voilà ça. J'ai fait une autre partie du parc pour en gros accueillir deux dinosaures. Voilà, donc j'ai transféré pour l'instant que deux petits triceratops. Voilà, méchant, donc c'est des enclos assez vastes parce que j'ai peur que le dilophosaure en fait il attaque les autres espèces. Donc j'ai fait un autre parc pour accueillir bien évidemment d'autres dinosaures. Bon, bien évidemment, il n'y aura pas que des triceratops. J'ai remarqué que les dinosaures pourraient avoir des caractéristiques, comme vous voyez là, c'est un alpha. Alors je sais pas pourquoi, comment ils ont des caractéristiques. Comment et pourquoi ils obtiennent ces caractéristiques. Donc ce sont deux très gros enclos, voilà, comme vous pouvez le voir. Après je n'ai rien fait de plus hors caméra. J'ai aussi débloqué la station monorail, donc en gros c'est pour que les gens se baladent tout au long du parc en monorail. Je pense que ça dans des prochains épisodes on l'utilisera, mais pour l'instant on se concentre sur les Vélociraptors. Donc pour l'instant ça n'a pas échoué, voili voilou. Après pas plus de nouvelles que ça. Voilà, je tournais bien évidemment l'épisode en avance avant la sortie parce que j'ai le temps maintenant de sortir. Ça, ce n'est pas fini. Déplacement sur ligne, on n'y est pas encore. Donc on a 244 de bénéfices. Voilà, réputation, j'augmente petit à petit les réputations. Voilà, parce que en fait je venais de découvrir qu'on pouvait faire ça. Donc pour quand vous voyez qu'on atteindra le palier, voilà, on gagnera centre des sciences, là on gagnera un restaurant et là dureté des dents. Donc ça va être notre objectif du coup de faire ça. Et pour faire ça, bien évidemment, il faut accepter des contrats. Nous avons un contrat qualité avant tout, du coup incubé et transféré d'un dinosaure Ceratosaurus ayant une note de dinosaure d'au moins 100. Là c'est compléter un génome de dinosaure à 60% ou plus. Et là c'est utiliser l'appareil photo d'une équipe de garde pour prendre une photo d'un dinosaure qui se nourrit dans une mangeoire. Ça par contre c'est un peu chaud, donc on va peut-être essayer d'aller le faire pendant que les Vélociraptors sont en train de se nourrir. J'ai acheté une nouvelle équipe de garde aussi, voilà, au passage. Modifier, je sais pas à quel moment en fait on peut modifier ça. Est-ce que j'ai des emplacements? Ah si, j'ai ça. Mais c'est la même, je crois, non? Ah, il y a ça, donc on va fermer. On va fermer les abris, enfin ouvrir les abris, et ouvrir les abris plutôt. Centre de fossiles, du coup nous avons des nouveaux fossiles. Nous avons lui et l'ankylosaurus, ok. Bon, on a une crotte, c'est intéressant, une crotte. Donc bien évidemment on continue les expéditions pour compléter la chose. On continue ici. Donc mon objectif ça va être aussi d'avoir un autre dinosaure 100%. Parce que bah, malheureusement voilà, j'ai pas d'autres dinosaures 100%. Ici vitesse d'incubation, nice, ok, on met la vitesse d'incubation. Du coup, ah, les Vélociraptors sont presque prêts. Donc j'allais prendre l'équipe de garde en attendant que les Vélociraptors soient prêts. Non, conduire un véhicule. Je vois qu'on tamponne, ouais. Ah non, même pas, ouais, non, on glitch un peu, voilà. Attention, mesdames et messieurs. Non, par contre, faut que j'arrive moi à me tenir ou par où c'est. Je crois que c'est par là. Ils ont même pas de toit, c'est nul quand même. Donc là, c'est ça. Ah ouais, ok, on est par là. Un dinosaure atteint l'âge adulte. Ok, c'est bon. Donc on va voir les Vélociraptors, donc ça n'a pas échoué. En tout cas, j'ai fait la mise à jour. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a plein de nouveautés. Je crois qu'on... Non, on peut pas rentrer par là, je crois. C'est pour ça qu'il y a plein de nouveautés, dont l'état des voitures. J'avais pas fait la mise à jour avant, j'en suis désolé. J'avais pas vu l'opportunité de la faire. Faut qu'on prenne une photo d'un dinosaure qui est en train de manger. Donc alors, est-ce qu'on va voir un dinosaure en train de manger?
Oh, il y a un dinosaure qui dort. Je vois personne en train de manger. Ouais, je vois personne en train de manger. Ça m'inquiète un peu, je vous avoue. Ah, par contre, ouais, ils peuvent nous attaquer. Hein. C'est pour ça que vous voyez état 87%, c'est qu'ils peuvent nous attaquer. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui mange là-bas? J'ai eu le temps de lui faire peur. C'est quoi prendre une photo? Oh là, il mange là, franchement, c'est une photo de qualité. Envoyez. On va vendre ces photos, hein? Dites-moi qu'on va les vendre. Donc c'est bon. Transfert, on transfère le vélociraptor, c'est parti. Vous avez atteint les objectifs de ce contrat sans vous disperser. Je vous en remercie. Pour un système de sécurité exceptionnel, aucune des activités de cette île ne pourrait prospérer. C'est là notre mission. Et sur Isla Matanceros, vous avez démontré votre talent. Pourquoi le... Vous méritez cette récompense. Ah d'accord, c'est parce que le mec il a fait ça. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont et seront toujours. Prédateur Alpha, notre rôle à nous, c'est d'aider les Raptors à comprendre qui nous est. Et le deuxième, voilà, parce que je pense qu'ils vont me mettre. Donc on va vérifier ça tout de suite. Ouais, voilà, vous voyez, ils ont pas beaucoup d'interactions entre eux, mais par contre, ils ont une très forte population. Donc on va ouvrir la porte, on va bien voir comment ça se passe. Ça devrait bien se passer. Ce nouveau contrat pourrait s'avérer très avantageux pour la division sécurité. Ok, ok, c'est vrai que tout est fermé, j'avais oublié. Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'ils vont attaquer? Lui, il est en train de dormir. Interaction, il peut pas. En fait, j'ai compris, population, c'est la population du dinosaure. Et interaction, c'est entre eux. Ils ont pas l'air de s'attaquer plus que ça. Alors, j'ai vu dans une autre vidéo que ça se fight. Enfin, ça se fightait, ça s'engueulait beaucoup. Hein. Enfin, ça gueulait, ça machin, ça barbe pas. Ouais, ça se chamaillait beaucoup. Donc ici on va pas faire du vélociraptor pour l'instant. On va attendre un peu. Sans souvenir, Ceratosaur. Ah ouais, faut peut-être. Il a une note de combien Ceratosaur? Il a une note de 78, donc faut qu'on augmente ça bien évidemment. Et alors 82. Ah c'est 82 ou 92? Je vois mal. Bon, on va attendre un peu, bénéfice par minute, on a un très fort bénéfice. Je pense ouais, qu'on va peut-être devoir le maxer à 100%. Ils sont les petits vélociraptors. Oh, il est là. Il est magnifique. Par contre, ils sont magnifiques. Hein. Super bien représenté. Par contre, il est bien. Niveau prairie. Ah, par contre, niveau forêt, ça va. Ah, regardez. Je vous parlais de ça. Ouais, il y a juste ça, il y a juste un peu d'interaction. Ah ça y est, on a un nouveau génome viable. Bah du coup on va l'insérer. On va l'insérer et je pense après qu'on partira sur le trill. C'est toi, il a 50%. Par contre il a 46% de Dilophosaure, j'ai un peu le seum. Après voilà. Bénéfice par minute des services pour les visiteurs. Il m'en manque pas beaucoup. Ah il m'en manque pas beaucoup, étonnant. Donc on continue bien évidemment. Donc j'espère que la série vous plaît toujours. Moi en tout cas je me régale. On va continuer voilà à faire ce, à faire ça. On est parti donc en faute, c'est ça pour les visiteurs. C'est ça, donc en gros, faut que j'achète plus de trucs quoi. Ouais mais il y a pas... Si, les toilettes. Mené ce contrat a fait forte impression. Chapeau. Ouais, les toilettes, on va mettre en début de parc hein, je pense. Hein. Ici, pas ces toilettes ou pas? Voilà. On va mettre des toilettes. J'ai reçu la mission? Je sais pas. Ouais, mais un Ceratosaurus, c'est chaud quand même. Hein. Ah, c'est venu. Ouais, voilà, j'ai vu en haut. Parce qu'en fait, en haut à droite, j'ai jamais tilté, mais en fait, on a les informations en haut. On a beaucoup de choses intéressantes.
Non, c'est pas des cartes d'envoi, c'est carte d'expédition. On continue justement pour avoir des géniums, bah des génomes. Donc là, très content, du coup on a des petits Velociraptors. Donc lui c'est un alpha. Tiens, j'en ai fait deux pour l'instant, voilà, c'est pas énorme. Après, on peut peut-être en faire encore un, ouais, on va peut-être faire encore un. Il y a déjà 77% de génome quand même. Est-ce que là c'est bientôt fini? On a 55%, voilà. Donc avant, je sais pas si vous vous souvenez, mais avant c'était une grande zone boisée. C'est qu'en fait bah, on peut déposer facilement. Ici voilà, il y a des triceratops. Ils sont plutôt larges niveau population. Hein. Interaction, voilà, faut qu'ils soient pas non plus énormément. Voilà. Forêt, par contre, il n'y a pas assez de forêt, donc on va mettre un peu plus de forêt. Aménagement. Forêt. Voilà, un truc comme ça, je pense. Pour... Ouais, en fait, faut qu'ils aient un coin à eux, en fait, je pense. Hein. Donc, excuse mon gaillard, forêt était bon. Ouais, mais faut que t'ailles dans la forêt, faut que ça marche. Voir si lui il est bon. Non, il est pas si bon que ça non plus. Ouais, parce que regardez, s'il y a plus, c'est plus une grande prairie qu'une grande forêt. Voilà, je pense que là, oui, vous devez être bon là. Je pense, ah oui, ça a remonté, la forêt a remonté. Lui. Je peux pas le voir parce qu'il est rentré dedans. Voilà pourquoi j'aime pas quand il y a de la forêt. Après, ne vous inquiétez pas, tout est relié. Hein. Regardez, les visiteurs, ils viennent, ils repartent. En même temps, il y a l'hôtel juste à côté, donc ça donne vue sur d'autres dinosaures. Vous avez vu, donc... Oh, je sais pas comment faire ça. Donc ça, c'est une des vues qu'on peut avoir du parc. C'est ce qui est très belle. Donc regardez la vue qu'ils ont, voilà, ils ont à peu près ça comme vue. Bah après ils doivent voir ce qu'il y a en face. Du coup on transfère le Corythosaurus. Très belle bête, un très beau dinosaure, il est très grand. Eh ben. Donc alors lui, voyons voir. Ah, il faut l'interaction de la population, donc il en faut un autre. Ok. Donc Coco, lui, il en faut un autre. Donc on va faire en direct. Un bel exemple de la théorie du chaos. Imaginez toutes les combinaisons dont la nature pour atteindre une structure parfaite. Et pourtant, l'objectif n'est pas la perfection, mais l'amélioration à partir de l'échec. C'est un processus sans fin, même pour les humains. Ok, donc lui il a besoin de personne, c'est ça. Lui il a besoin de. Est-ce que le son. Ouais, c'est fini. Lui en gros il a besoin de dinosaures, d'après ce que je vois, il a besoin de dinosaures. Donc c'est pas si mal. Les Velociraptors, est-ce que ça se fight? Non, regardez, il y a vraiment que des affrontements, regardez. Hein. Bah, alors ça doit être deux alphas, je pense. Hein. Ouais, voilà, c'est qu'il y a deux alphas, c'est pour ça. Ça se bagarre entre les deux alphas, par contre c'est fini. Ou ça a échoué? Ah non, ça a toujours pas échoué, c'est pas fini, ok. Ouais, peut-être qu'on mette une galerie panoramique. Ouais, peut-être mettre une galerie panoramique. Alors, c'est dans enclos. Ouais, c'est dans enclos. On a de l'argent, donc on peut se permettre de mettre une galerie panoramique. Hein. Peut-être une galerie panoramique. Voilà. Par contre, faut mettre des routes. Allez, sans exagérer, ça veut dire qu'on va devoir reprendre une autre... Ah mince, mauvaise idée, bah go détruire. Donc on va prendre route et du coup on va faire tout le tour, écoutez. Hein. Donc c'est sans électricité. Ouais, il y a un générateur là pour toi. Ouais, ça recouvre les deux, alors c'est lequel qui est sans électricité? Mener à terme l'incubation de deux œufs Dracorix dans un lobo de la création monde. Ok, bah pourquoi pas. Par contre, juste dans les améliorations, on va mettre la viabilité. La vitesse d'incubation. C'est une occasion à ne pas rater. Et je sais, ça. Je dis ça à chaque fois, mais c'est parce que je le pense. Donc on va mettre des Dracorix. Du coup, ils veulent des Dracorix, on va mettre des Dracorix. Hein. Du coup, la galerie panoramique, elle marche. Donc, si la vidéo toujours vous plaît, n'oubliez pas de commenter, de liker, partager, de vous abonner avec la cloche parce que sinon l'abonnement s'enlève.
Voilà, voilà, on continue un peu. Donc on est beaucoup de temps sur l'île, voilà, parce que bah on a beaucoup plus de gains et parce que faut continuer quand même à améliorer l'île. Hein. Vous voyez, on a un bénéfice par minute de pratiquement 300 000, ce qui est déjà pas mal. Par contre, il y a un truc qui est sans électricité, c'est quoi? Électricité requise. Et il manque d'électricité? Alors, électricité. Bon, je pense que là, ça va être bon. Je pense, après, voilà. On n'est jamais sûr à 300%. Est-ce que c'est vraiment... Ah ouais, Jurassic Park, qu'est-ce qu'on peut voir? Ouais, non, on peut pas voir. Consulter le centre des expéditions. C'est centre des expéditions? Centre... Il est où, centre des expéditions? Ah, voilà, centre des expéditions. Bang, centre des fossiles. On n'a pas ce complété le génome. Et là, du coup, c'est ici qu'ils sont sans électricité? Mais comment ça se fait? Il faut que je remette un autre pylône. Bah, à la fin, on va être super large, hein, franchement, au niveau électricité. Mais est-ce que c'est fini par là-bas? Non, c'est toujours pas fini. Ah si, transférer le dinosaure, ok. Et je vois pas les messages, en fait, c'est pour ça. Je vous l'ai dit, on laisserait toujours les animations. Nouveau gemme viable, l'ankylosaurus. Alors je crois que l'ankylosaurus il est très difficile. Ah mais il y a toujours lui de qui est devant, ok. Non, on va annuler le transfert. Pourquoi tu veux que j'annule le transfert? Du coup, on a un ankylosaure à 52%. On va refaire un Dracorex parce qu'il nous demande de faire un Dracorex. Transfert en cours. Du coup, ça transfère. Ah ouais. Du coup, il est toujours sans électricité. Ah bah, il nous manque peut-être une autre centrale. Hein. Ouais, dommage. Dans l'eau. Donc attendez, on va faire en vélo. Je sais pas pourquoi il y a de l'eau d'ailleurs aussi. Pareil, on va faire enlever la forêt. Voilà, normalement ça devrait être bon pour l'électricité. Électricité. Oh non! Ah mince, il y a deux pylônes. Ah mince, il y a deux pylônes, du coup ça rentre pas, d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire ça. Donc là, il y a vraiment plus d'électricité, c'est normal. Après, on va faire aménagement. On va enlever l'eau, on va même enlever ça. Du coup, après, du coup, on peut mettre la centrale. Contrainte de bâtiment. Comment ça, contrainte de bâtiment? On va voir c'est quoi c'est. Ah ouais, c'est que la terre est pas totalement. Ah mince. Ah voilà, c'est que la terre est pas totalement. Ouais, c'est que tout n'est pas plat en fait. Ouais, faut que ça soit plus plat en fait. Ouais, pas trop quand même. Voilà, voilà. Est-ce que là ça va être bon du coup? Une tranche de bâtiment. Ah non, mais c'est parce que ça tout. Ah d'accord, c'est que ça tout chaude derrière. Ok, tout ça pour mettre une centrale électrique ici quand même. Ah voilà! Du coup, on va le mettre. Je sais qu'un endroit est passé. Là, voilà!
Et du coup, là, on fait relier à ce pylône-là. Et à ce pylône-là, on peut relier à ce pylône-là. Du coup, normalement, le problème, il devrait être réglé ici. Donc après, on va voir l'intensité. Si on met ce pylône-là à celui-là, normalement, ça y est. Normalement, il est censé avoir de l'électricité, le truc. Hein. Il faut que je remette un... Attendez, la centrale est en train de se construire. Donc c'est bon, normalement, le Vélociraptor, c'est bon, le Vélociraptor est prêt. Mais bon, Vélociraptor, s'il vous plaît. Faites rentrer la bête. Voilà, très très beau. L'allée n'est pas reliée? De quoi? Voilà. Voilà. Modifier ton centre, ça se ayant un caractéristique d'attaque de moins 59. Ok. Nice. Et là, c'est bon, du coup, j'ai le deuxième Dracorax, c'est ok, on est bon. Ouais, mais sachant qu'on n'a pas le temps, mon gars, tu vas te dépêcher de rentrer. Ok, donc faut que je modifie un Triceratops de moins. Faut qu'il ait combien? De moins d'attaque de 59, ok. Modifie d'attaque. Okay. Une attaque de 59. Attaque de 59. Donc ça, ça ne demande pas l'attaque. Ok, bah du coup, on va faire un petit sur top 100. On va laisser ça ouvert, voilà, pour l'instant. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il n'y a pas trop de monde pour l'instant? C'est bon, interaction? Bah, eux, ils peuvent être larges niveau interaction. Population, c'est bon. Pas lustre, bah, eux, ils s'en moquent à peu près. La forêt, voilà. Par contre, c'est Dracorax avec ça, voilà. Il a rejoint son pote. Population, par contre, population, il peut pas non plus énorme. Interaction, par contre, ouais, il peut vraiment beaucoup. Le Triceratops est en train de se faire petit à petit. Dès que le Triceratops sera remis, je pense qu'on partira sur l'île pour que je vous montre un peu les avancements. Et je pense qu'après, voilà. Donc sur cette île, on s'est... Enfin, aujourd'hui, on s'est consacré beaucoup sur les Velociraptors et à chercher à avancer beaucoup sur cette île. Ne vous inquiétez pas, lors du prochain épisode, on avancera beaucoup. On avancera plus sur le trill. Cherche à manger. On avait taillé une fois. Donc là, ça va sortir la chef normalement, non? Si je me cours pas. Ouais, là, ça sort. On peut pas suivre la chèvre. Gambade, sale chèvre. Gambade, gambade. Est-ce qu'elle va se faire attaquer, vous croyez? Ouais, là, c'est encore là. Ouais, c'est entre les deux alphas. Ah non, même pas. Est-ce que, attendez, est-ce que la chef se fait même pas zigouiller, hein? Ah, peut-être que si. Ah non, là ça ne prend même pas. Mais il y a une chèvre là, attaquer la chèvre. Ah là, elle va se faire goumer là. Ouais, regardez, et là elle va se faire goumer en plein live, la chèvre. Et hop. Et là, plus de chèvre. Voilà, bon, voilà, la chèvre qui vient de se faire goumer. Donc, d'après ce que j'ai vu, le Triceratops est prêt à transférer. Voilà, c'est bon. Un magnifique Triceratops. Donc, normalement, on est bon. Voilà, tout est prêt. Centre de recherche, on va continuer le centre de recherche. Bah, trouve, transférer un Triceratops. Ah oui, voilà, c'est ce qu'on va nous dire, c'était bon. Comme si on en avait déjà pas assez à surveiller. Et apparemment, vous les aidez. Je ne me plains pas, hein. C'est juste une remarque. Ou une mise en garde. Bah, c'est toi qui m'as demandé de le faire. Je sais pas pourquoi. Des fois, ils te disent des réflexions, mais. Alors que c'est toi qui. Enfin, c'est eux qui te l'ont donné. Enfin, ils t'ont dit de le faire. Donc, on va partir sur le trip, du coup. Oh non. Qui est mort? Ou ça doit être un dinosaure mort de vieillesse, je pense, non? Ouais, mort de vieillesse. Ouais, c'était sûr. Sûr. Alors pourquoi il meurt de vieillesse?
Ah, bah, il est mort pile à 45 ans, franchement. Il est mort, vraiment, il a pas eu de répit, le pauvre. Ouais. Lui, il est mort, donc c'est parti. Donc, on va partir sur la deuxième île. Ouais. Un peu vite fait pour que je vous montre l'évolution de la deuxième île. Et après, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Vous voyez que les fonds sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins importants. Bah, bien évidemment, c'est normal, hein. C'est normal que les fonds soient beaucoup moins importants. Mais ne vous inquiétez pas, ça va pas nous empêcher de tryhard sur la prochaine île pour la prochaine fois. Les stations de vigilance météo contribuent à protéger bâtiments et structures proches. C'est quoi ce qu'on a fait des dinosaures? Bien, non, c'est comme ça qu'on prend. On se prend pour un dieu. Exactement, exactement. L'homme se prend pour un dieu en créant qui ne peut pas contrôler donc les dinosaures. Désolé pour le son s'il est fort. Donc voici l'île. Donc j'ai fait des tuto Mimus, non, moi c'est ça que je veux. J'ai fait deux, j'ai vendu un Triceratops qui m'a permis d'avoir un bon move. Là, du coup, j'ai un peu plus de fond. Du coup, là, c'était pas le bon truc. Centre d'expédition, on va faire ça. Faites passer votre note dinosaure à une étoile. Ok. On n'est pas assez de fouilles, mais je comprends pas comment on fait pour débloquer d'autres fouilles. Alors, c'est peut-être un truc bonus. En tout cas, le Dilophosaure, il est là, je crois. Ouais, le Dilophosaure est là. Ok, centre de recherche, je crois que j'ai des trucs à rechercher. Si je me cours pas. Après, voilà, après, il y a des trucs qu'on n'a pas. Ah ouais, voilà, il y a des trucs que dans tous les bâtiments, on n'a pas. Ils sont pas remplis. Ok. Ok, ok, donc vous voyez l'île à peu près, voilà ce que ça donne. Ici, nous avons un Ceratosaure, voilà, ici. Un petit Ceratosaure, voilà. Les Velociraptors, ça coûte la peau des fesses, donc pour l'instant on va pas en incuber. Voilà, regardez, ça coûte 373, donc pas de Velociraptors pour l'instant. Centre d'expédition, on fait un réglage fossile. Mince, je me gourre à chaque fois. Centre d'expédition, du coup là on va pouvoir envoyer un Dilophosaure, ouais voilà. Centre des fossiles, parce que du coup j'ai réussi à acheter un truc des fossiles, on vend quelque chose. Le budget n'est pas énorme. Mais voilà, après j'essaie d'accepter quelques contrats quand même. Je peux pas faire. Ah bah oui, mince. Faites. Bah c'est votre note de dinosaure à une étoile. Et combien ma note de. Ma note de dinosaure. Note de lune, note de dinosaure. Ah, même pas une étoile. Ah ouais, chaud, c'est chaud quand même. En même temps, on n'a pas beaucoup de dinosaures. Vendez un Ceratosaure, il y a une caractéristique résistante de 23. Ça, il m'en manque un. Expédition par fossile. Bon, voilà, bah, c'est ce qu'on est en train de faire. On a 3,1 sur une étoile. Hein, pour une note de dinosaure. Après, c'est ce que je dis, on n'a pas un budget énorme non plus. 210 pour un Young, je sais pas quoi, là. Ah, lui, 170 pour un Montosaure. 145, ouais, sauf que toi t'es super relou, toi pareil. Le problème c'est ça, c'est que si on prend des dinosaures comme ça, il faut des gens derrière quoi. Ah oui, mon gars, bon, on va prendre un Montosaure, voilà. Et après, je pense que dès qu'on aura fini l'incubé, ça sera fini. Donc voilà, ici il y a le centre des fossiles, voilà, qu'on n'avait pas lors du dernier épisode, mais que j'ai acheté. Ici j'ai mis une boutique souvenir, ici une boutique prête à porter, ici un fast food, parce qu'en gros, le but c'est de faire un immense aller. Bien évidemment, plus tard, quand on aura assez de fonds, j'achèterai l'hôtel et je le mettrai ici. Voilà, bien évidemment. Après, pas grand chose de la dernière fois par ça. En tout cas, voilà. Donc, à la fin de ce petit dinosaure, on ira. Non, on arrivera à la vidéo tout simplement. L'un des bébés dinosaures en labo de classe monte est trop fragile pour survivre. Oh non, ça a échoué. Oh non, mince. Non, mais bon, bah au final, c'est mort. Voilà, il a échoué, nickel. Voilà, voilà. Donc, en tout cas. Quelle belle fin de vidéo, un dinosaure qui meurt. Voilà, quelle belle fin de vidéo. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et de vous abonner avec la cloche de notification pour ne rien louper, sachant qu'on est déjà à l'épisode 4. Ne vous inquiétez pas. On fera un minimum entre une dizaine et une quinzaine d'épisodes. Voilà, au moins finir toutes les îles. Je pense que c'est l'objectif principal. Et puis voilà, donc voilà, objectif réussi aujourd'hui. On a eu les Vélociraptors, voilà. Et de nouveaux dinosaures. Donc j'espère encore une fois que l'épisode vous aura plu. On a eu aujourd'hui, donc pour récapituler, le Velociraptor, le Corythosaurus, l'Ankylosaure et le Dilophosaurus. Voilà, j'ai un peu bégayé, excusez-moi. Pendant que l'équipe de recherche revient,
Donc on va remander du dilophosaure. On va repartir en équipe, en centre de recherche pour le dilophosaure. C'est pas le bon, bien évidemment. Il y en a juste 125 de bonus, c'est bien ça. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, ça fait deux fois que je le dis, mais c'est pas grave. En tout cas, moi je vais vous laisser ici après qu'il ait fini de parler. Vous assurez. La division sécurité a donc décidé de vous remettre cette récompense pour votre travail sur Isla Muerta. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'est mon retour, voilà, enfin pas mon retour, mais on est de retour sur la deuxième île. Et cette fois-ci, pour le prochain épisode, on va bien s'occuper de la deuxième île comparé à cet épisode. Donc voilà, c'était Force Attack. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye tout le monde.